C'est le lendemain, c'est le matin. C'est quelle heure est-il? Il est 11h déjà. Nous attendons nos amis pour aller louer un équipement. Ici, si vous voulez skier ou faire du snowboard, vous pouvez louer un équipement sans problème. Célébrer, et finalement, nous allons. Il fait chaud, et finalement, nous allons louer notre équipement. Et regardez ce qu'il y a là-bas. Je vais vous montrer de l'autre côté. Attendez. Et ça, c'est notre hôtel. C'est notre case là. Nous allons louer un équipement. Je vais vous montrer ce qu'il y a là-bas. Bonjour. Et voilà, je suis prête. J'ai trouvé ce que je vais porter aujourd'hui. J'ai déjà trouvé tout ce que j'ai voulu, mais il faut attendre les autres. Moi, je suis un peu fatiguée. Il est midi chez nous. Pardon? Les bots sont là-bas. Les noirs, черные. Нет, вон черные стоят. Настя, elle est très belle aujourd'hui, c'est ma copine. Ah, et c'est le mien. Почему он такой маленький? On m'a dit que c'est suffisant pour moi pour la première fois. Mon bord est assez petit parce qu'on m'a dit que pour la première fois c'est suffisant. On va regarder, on va vérifier ça. Ça c'est notre hôtel, notre hôtel. Nous habitons juste en face de la station de ski. Et ça, c'est Nathalie. Elle essaie de faire un peu de champi. Pardon? Non, non. Ça, c'est moi, je suis prête aussi. J'ai peur. J'ai compris seulement maintenant que j'ai peur. Mais j'ai pris 2 heures avec un instructeur privé parce que
c'est mon presque première fois sur le snowboard et donc j'ai pris 2 heures avec un instructeur. J'espère qu'il va m'apprendre. Je lui ai demandé de me filmer et j'espère qu'il va faire les vidéos. Les garçons, ils achètent les ski pass maintenant. C'est très, très beau. Vraiment, je vous conseille déjà. Je vais essayer, bien sûr, mais vraiment, c'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai compris que je suis absolument stupide. Restaurant à Sochi et le nom du restaurant Fettuccini, oui, oui, le nom du restaurant est Fettuccini. Regardez, je suis après mon snowboard, donc je suis fatiguée, je ne suis pas maquillée, excusez-moi, mais je sais que c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire que on va goûter et à la fin, je vais vous dire si je vous conseille ce restaurant ou pas, comme toujours. Parce que moi, je veux être aussi utile pour vous. Je dois avouer que ce restaurant est formidable. Et je dois avouer aussi que c'est la meilleure panna cotta que j'ai jamais goûté dans ma vie. C'est tout. Merci. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons au salon de massage. Salon thaï de massage, nous allons faire les massages. Bonjour. Zreste. Nous allons faire les massages. Les massages avec l'huile. Avec Nathalie, nous sommes ensemble ici. Nathalie, dis bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir déjà, oui. Je veux parler un peu avec vous
parce que ce massage, c'était formidable. Les filles, elles sont les déesses. Elles sont vraiment professionnelles, les massagistes. Mais en ce qui concerne le salon, l'entourage ici est assez pauvre par ailleurs, à mon avis. Mais les filles, les massagistes, je les adore. Le nom de ce salon est Vai Thai. Je vais vous montrer leur carte. Ils ont aussi leur branche à Moscou. Vous ne me voyez pas, mais on m'a montré le toit d'où on peut voir le panorama du Sochi. Regardez. Moi, je ne peux pas vous dire l'adresse parce que c'est le secret. Si vous ne savez pas où aller, vous devez venir à Sochi. Tout est très très beau ici. Et ici, il y a plein de choses à faire, plein de places à visiter. Quand les filles restent seules. Oh, Bella.